10 000 codeurs. Présenter les métiers du numérique à la jeunesse et accompagner la jeunesse vers ces métiers. La jeunesse africaine, la jeunesse française, la jeunesse des Caraïbes, la jeunesse de l'océan Indien. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour cette jeunesse. Ce soir, troisième mardi du mois, business design. Créer des marques fortes, créer des marques uniques, des marques empathiques, créer des marques qui génèrent une profitabilité extraordinaire. Ce soir, le thème Business Model Innovation, le cas Netflix 2022, les études de cas proposées par les experts de Kinshasa. Avec nous ce soir, la grande sœur Laetitia Massa, directrice générale de Kinshasa. Avec nous également ce soir, Maxime Dereux, directeur administratif et financier de Kinshasa. Vous le savez, avec 10 000 codeurs et Kinshasa, nous vous accompagnons pour que vous ne créez pas seulement des entreprises, mais vous créez les Apple de votre secteur. Préparez une ambition pour soi, une ambition pour l'Afrique. Rendre une jeunesse africaine forte, rendre une jeunesse française forte. Pensez grand, hors du territoire. Ça se passe avec 10 000 codeurs. Les experts de Kinshasa sont là, Kinshasa. Bientôt parmi vous peut-être, vous serez vous aussi des business designers avec Kinshasa. Ça se passe avec 10 000 codeurs. Simplicity. But here's the thing, doing business today is anything but simple. For leading brands, complexity is on the rise. And that's where Pega comes in. We build software for crushing business complexity. We're not afraid to take on the hard stuff, from quick fixes to big changes and everything in between. We help you maximize value with personalized, relevant customer engagement. Solve problems faster with streamlined customer service. And boost efficiency with intelligent automation. Pega simplifies your technology from the center out, one customer journey at a time. So you can get work done, get results, get ready for what's next, and save customers and employees time so they can get back to what matters most. Ready to crush complexity? Let's get started. Éliminer la complexité des applications, c'est l'objectif de Pega. Et chez 10 000 codeurs, nous voulons éliminer la complexité du numérique pour les jeunes, afin qu'ils puissent trouver leur métier et être accompagnés par les experts de 10 000 codeurs vers le métier qu'ils auront trouvé.
plus de 60, 70, 80 métiers dans le numérique. Et de côté, des jeunes qui ne savent pas quels sont ces métiers. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les métiers. Et nous, nous voulons réduire la complexité. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur proposons des métiers. Ici, regardez le lien là. C'est simple, non? Métier du numérique. Et c'est compliqué. Bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes le 15 mars 2022. Nous sommes le troisième mardi du mois de mars 2022. Le troisième mardi du mois. Business Design avec nos experts de Kinshasa. Et vous savez d'ailleurs le métier de nos experts de Kinshasa. Parce que, vous savez, dans le numérique, il n'y a pas que la tech. Les gens nous disent, oui, le numérique, il y a la tech, développeur, data scientist. Mais il y a d'autres métiers. Il y a des métiers qui ne sont pas dans la tech, mais qui sont dans le numérique. Regardez, je vais vous montrer. Il y a des métiers qui interviennent avant qu'un projet numérique arrive. Il y a dans un projet, nous, on a Dimi Coder, on a divisé en trois étapes. Il y a l'idée, celui qui a l'idée là. Ça nous intéresse beaucoup ici, puisque là, on est avec Kinshasa, on va parler, accompagner les entrepreneurs. Mais il y a l'idée, il y a des gens pour accompagner l'idée pour qu'elle soit sur papier. Après, maintenant, il y a la tech. On va éventuellement des métiers pour créer un produit ou le service. Et puis après, il y a les métiers pour vendre, pour marketer, le marketing. Trois étapes. Vous qui nous suivez là, il y a peut-être une des étapes qui va vous intéresser. Bon, si vous êtes là, c'est quand même parce qu'on pense que vous êtes plutôt entrepreneur et que vous voulez… Et justement, pour accompagner l'entrepreneur… Ah, notre ami Boubacar est là. Ah, mon fidèle. Boubacar, toi, tu es fidèle, vraiment fidèle parmi les fidèles. Bonsoir. Et donc, Boubacar. Ce soir, on va laisser la parole à des experts en business design. Des experts en business design. Si vous voulez en savoir plus sur le métier de business designer, vous allez pouvoir aller sur le site d'Imicoder. Vous avez vu, hein? Le lien là. Regardez, je vais vous montrer. On va aller tout de suite. Je vais vous montrer le métier de business designer. Regardez comment ça se passe. Je partage mon écran. D'accord? Et si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le métier de business designer, vous allez sur le site de Dimi Coder. Vous arrivez sur la page de présentation des métiers. Et regardez, vous avez vu le triangle là? Voilà. On vous montre en fait les différentes étapes. D'abord, il y a l'idée, l'entrepreneur qui a l'idée ou bien le chef de projet qui a l'idée. Il y a la tech pour concevoir, tester, déployer. Et puis, il va y avoir le marketing. Et vous voyez ici, on a un outil pour vous permettre de savoir. Vous êtes plutôt en amont, vous êtes plutôt côté tech, vous êtes plutôt côté marketing. Si vous êtes côté marketing, vous avez ici 10 métiers répartis en 5 catégories. Si vous êtes plutôt tech, vous avez ici une quarantaine de métiers répartis en 7 catégories. Et là, regardez, aujourd'hui, on est avec business design. Et là, on est en amont. Donc, on veut accompagner le porteur de projet. Et pour accompagner le porteur du projet, il y a des spécialistes. Certains spécialistes sont dans ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Donc, on va accompagner le client, le porteur de projet à écrire. Certains sont dans le design, mais plutôt ce qu'on appelle l'UX design ou le UI design. Certains sont dans plutôt ce qu'on appelle l'accompagnement maintenant, l'organisation, comment ça va se passer avec les équipes qui vont maintenant préparer l'exécution. Et nous, là, regardez, aujourd'hui, on est dans la phase de stratégie. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le porteur de projet, ça ne suffit pas de dire que j'ai un projet. Non, maintenant, la question, c'est comment accompagner pour que ce soit une marque, potentiellement, qui soit unique, qui soit empathique et qui soit profitable. Et ça, c'est le métier de business designer. Et le métier de business designer... C'est un métier qui est extrêmement important pour le porteur de projet puisqu'on va avoir affaire à des spécialistes qui vont accompagner le business, mais qui voient un peu la croisée des chemins entre le design, le business et puis la tech. Et là, vous voyez, vous avez ici une petite vidéo, qu'est-ce que c'est que le design, 2 minutes. Vous avez la communauté qui se réunit donc tous les troisièmes mardis du mois. Vous avez une playlist pour savoir si ce sont les anciennes vidéos. Et vous avez un exemple de business designer. Et vous avez qui comme exemple de business designer? Vous avez la grande sœur Laetitia qui est avec nous ce soir. Donc voilà. Et si c'est un métier qui vous intéresse, hop, vous avez votre passeport ici. Et puis, ça va le faire. Alors attention, ils sont avec nous. On va parler du cas Netflix ce soir. Sans plus tarder. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Coucou à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à Est-ce que vous avez reconnu la business designer? Vous avez reconnu, non?
Elle est avec nous là, elle est avec nous là. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Douglas. J'espère que tu vas bien. Super. Bonne arrivée. Mais oui. Beauté. Beauté Nayo. Effectivement, c'est nous. C'est nous, Kinshasa, qui est issu de Kinshasa. Donc, Mbote, Mbote, est-ce qu'on dit Mbote na pourquoi ? Ça, je ne sais pas, on est le soir. Donc, je demande à Maxime, hein, parce que pour tout ce qui est théorique, là, il connaît mieux le lingala. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, bonsoir, Douglas. Content de te retrouver. Ravi, vous m'avez manqué. Hein. Ah là là, la dernière fois, je n'étais pas avec vous. Là, ça m'a démangé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Dit que t'es cas. Mais là, je suis avec vous, je suis super content. Vous êtes d'accord avec moi, le métier de business designer, c'est un métier qui intervient très tôt dans un projet, finalement, dans un projet entrepreneurial. Exactement. C'est-à-dire que le métier de business designer, et on va en reparler dans quelques instants, il sert à diminuer, diminuer les risques d'entrer sur le marché parce que on n'est jamais tout seul sur le marché. Donc, il faut diminuer les risques d'échec d'un projet. Donc, il intervient au début, comme tu l'as dit, au tout début, parce que c'est un métier hautement stratégique. Mais il intervient aussi régulièrement au cours de la vie d'un projet, parce que lancer ne suffit pas. Hein. Donc, Apple serait mort aujourd'hui s'il suffisait de lancer seulement. Oui, tout à fait. donc, voilà, c'est vraiment ça. Et ça tombe bien, parce que si le partage de mon écran se produit, je vais pouvoir me présenter qu'aujourd'hui, effectivement, on va aborder le cas Netflix parce qu'on a vu plusieurs business model innovation. Donc, le business design comprend aussi le business model innovation et on va se concentrer là-dessus. Alors, en ce qui concerne le business design et l'une des spécialité que Kinshasa réalise, il est un des trois leviers de profitabilité que nous avons identifiés chez les entreprises les plus profitables au monde. Ces entreprises profitables, les plus profitables, elles appliquent le business design, mais elles appliquent aussi le deuxième levier de profitabilité qui est la brand identity design, c'est-à-dire la qualité des marques absolument uniques. Oui. Le troisième levier de profitabilité, c'est l'experience design, donc la qualité des marques qui créent un univers magique, enchanteur et extraordinaire qui donne aux gens l'envie de ne plus jamais aller chez d'autres marques. Donc, c'est vraiment ces trois leviers de profitabilité. On se focalise sur le levier business design aujourd'hui. Alors, c'est quoi d'abord le business design, pourquoi absolument se focaliser et pourquoi on se focalisera dessus pendant encore plusieurs mois ? Simplement parce que c'est le levier le plus générateur de profit. C'est le business model innovation. Donc, vous pouvez avoir une super marque, vous pouvez avoir une super expérience, c'était indispensable. Mais la capacité de faire un bon business model et d'innover surtout votre business model va vraiment vous permettre d'exploser une série de records. À ne pas confondre évidemment avec le business model Canva, qui est un très bon outil pour constater une réalité de notre business, c'est-à-dire comment notre business fonctionne déjà. Le business model innovation, et on va l'indiquer dans quelques instants, c'est bien autre chose encore, c'est encore mieux en fait. C'est là que se trouve vraiment l'argent. Alors, c'est quoi le business design ? Comme je le disais tout à l'heure, on en parle. Vous combinez design et business. On va d'abord parler des trois ingrédients. Hein. L'empathie, vous savez maintenant pour tous ceux qui nous suivent, l'empathie, c'est le cœur du design. C'est la première étape du design thinking. C'est la première étape absolument de tout ce que nous on fait. C'est la capacité de se mettre dans les pieds, dans les chaussures de votre cible. Oui. À l'empathie, on ajoute une série de méthodologies qu'on appelle méthodologie design, mais aussi de plus en plus d'autres méthodologies pour compléter ce qui est absolument important dans le business. Et l'objectif du business design, c'est de rendre une entreprise toujours plus profitable, profitable mais tout en étant empathique, donc en créant en fait plus de valeur. Alors, maintenant, pourquoi faire du business design ? D'abord, comme l'a dit Laetitia, parce que des trois leviers de profitabilité. Alors, oui. On parle, avant, Laetitia a parlé d'innovation de business model. Oui. Quand on parle innovation, en général,
on a en tête des produits, des services, parfois des process. Mais oui. En fait, ceux qui ont étudié tout ça se sont rendus compte que ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas d'avoir la meilleure tech, le produit le plus innovant ou le service le plus révolutionnaire, c'est vraiment d'avoir le business model le plus innovant. C'est ça qui fait la différence pour toutes les entreprises qui ont vu leur profitabilité exploser. Alors maintenant, pourquoi faire du business design ? Le business design, c'est une discipline assez jeune. Il n'y a pas très longtemps qu'on en fait, simplement parce qu'avant, on faisait plutôt, et il y a encore des tas de gens qui le font, du business management. Le business management, il vous permet d'appliquer des recettes connues dans un environnement stable, un environnement sans surprise, où on sait que si on applique tel système, tel process, ça va donner tel résultat, et que si on veut plus de résultats, on doit appliquer plus de ce process ou de ce système. Et donc, même les conséquences sont connues. Évidemment, maintenant, il ne faut plus convaincre grand monde que le monde est changeant. Hein. On a eu le 11 septembre, la crise financière de 2008, et maintenant le Covid, et puis maintenant encore la guerre en Ukraine, et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Tous ces bouleversements qui, qu'on le veuille ou non, ont un impact sur les petites, les moyennes et les grandes structures, que ce soit des entreprises, des États, des organisations. Personne ne peut dire qu'il n'a pas été touché par au moins un de ces événements. Et donc, quand on est dans un environnement incertain comme ça, on ne peut plus appliquer les recettes de bonne maman et se dire qu'on va avoir les mêmes résultats. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus demain. Et donc, on doit pouvoir analyser et projeter très rapidement beaucoup de pistes de solutions, les tester rapidement aussi pour naviguer dans tous ces changements et arriver à l'objectif que l'on poursuit. Parce qu'on a un objectif à moyen ou long terme et vu que tout change tout le temps, on ne sait pas bien comment on va y arriver. Et donc, il faut avoir cette agilité qu'amène le design et dans ce cas-ci, le business design qui permet de faire face à toutes ces difficultés qui surviennent, que ce soit être forcé de rester à la maison pendant 2 ans ou ne plus avoir de bateau qui arrive avec des marchandises, etc. Évidemment, sans vouloir prêcher encore pour l'empathie, quand tout change, la meilleure chose à observer, c'est le comportement des consommateurs, leurs attentes et surtout, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir pour considérer que quelque chose a de la valeur. OK ? Et donc, lorsqu'on parle de valeur, on parle en fait de business model. C'est un schéma. C'est un schéma d'une entreprise ou d'une organisation qui explique comment l'organisation ou l'entreprise va créer de la valeur pour ses utilisateurs ou ses clients, délivrer cette valeur et aussi capturer la contre-valeur. Parce que vous pouvez vouloir jouer les bons samaritains, mais à un moment donné, quelqu'un doit vous nourrir, nourrir vos employés, et surtout vous permettre de vous retourner si pendant X temps, vous ne pouvez pas nécessairement vendre vos produits et services. Donc vous devez absolument capturer la valeur, vous devez l'avoir créée, savoir comment est-ce que vous allez la faire et aussi la capturer. Et ça, on oublie souvent. Donc, un business model, c'est ce schéma de la valeur, telle qu'elle est créée, délivrée et capturée. C'est extrêmement important de comprendre la définition, comme on l'a déjà expliqué dans les précédents webinaires, parce que lorsqu'on parle d'innovation de business model, on doit comprendre que ce n'est pas le business model Canva qu'on change. C'est vraiment le cœur des grandes lignes de cette manière de créer de la valeur, délivrer de la valeur, capturer la contre-valeur. Quand on considère les 4 dimensions d'un business model, à savoir à qui il s'adresse, c'est le who, c'est au centre, évidemment, tout part du centre, empathie, bonjour. On se pose la question de savoir quelle valeur on va créer, c'est le what, qui est juste au-dessus, la proposition de valeur unique, parce qu'évidemment, si ce n'est pas une proposition de valeur unique, mais en fait, ça ne sert à rien, puisque ils ont déjà tout ce qu'il faut sur le marché.
Et donc, ils n'ont pas nécessairement besoin qu'il y ait une nouvelle entreprise qui fasse exactement la même chose. Donc, une nouvelle entreprise qui fait mieux, plus vite, autrement, ou tout simplement autre chose, c'est ça le « what ». Ensuite, il y a le « how », parce qu'il faut rester réaliste et il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour effectivement délivrer cette valeur. Et donc, le « how », c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour que le « what » puisse être acheminé au bout. Et enfin, le « why », c'est justement la question de savoir, donc la dimension de savoir pour quelle raison le « who », donc pour quelle raison ma cible voudrait, et en étant enchantée, me payer un surplus. Parce que si vous n'avez pas de surplus, vous ne faites pas de profit. Et si vous ne faites pas de profit, vous mourrez. Hein. On va pas se voiler la face. Donc, il y a ces quatre dimensions. Et on parle d'innovation de business model. Lorsque une entreprise ou une organisation qui a ces quatre dimensions déterminées d'une certaine manière, décide de modifier au moins deux dimensions de son business model. Et ça, retenez-le parce que la suite va rendre cette compréhension absolument indispensable. Deux axes. Allez. Alors. Donc, aujourd'hui, on a, c'est ça, 65 millions de clients. Donc, on parle ici d'une entreprise qui a été le leader de son secteur jusqu'à avoir 65 millions de clients au monde, qui a atteint une valeur boursière de 3 milliards de dollars. Tout cela en une petite quinzaine d'années. Seulement. Et pourtant, entre son sommet et sa faillite, il ne s'est passé que 10 ans. 10 ans pour passer de 65 millions de clients, plus presque 10 000 magasins dans le monde, des dizaines de milliers d'employés. Tout ça a disparu en une dizaine d'années. Et ici, on va voir par l'exemple où mène le business management quand des changements arrivent et où mène le business design quand il est appliqué. Et ça, c'est un exemple vraiment mondialement connu parce que personne n'a jamais imaginé que ça, ce serait possible. Personne. Alors, cette entreprise qui a connu le sommet et la chute en si peu de temps… Oui, tonton, il faut nous dire. Tonton, pour nous dire, c'est qui? Non, mais ça va, il y a qui derrière? Tu donnes un indice? À qui est-ce que Netflix a volé la vedette en très, très peu de temps? Peut-être que certains le savent. Hein, Netflix, c'est quoi? C'était un truc à la demande? On ne peut pas tout, le dire. On peut pas dire tout de suite. Non. Alors, évidemment, le public ici est assez jeune. On parle d'une entreprise qui a eu beaucoup de succès, mais principalement aux États-Unis et avant les années 2000. Donc, peut-être que tout le monde ne connaît pas dans l'audience. Alors, on va vous révéler de qui il s'agit. Cette entreprise, c'est Blockbuster. Alors, Blockbuster, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot d'abord, parce que c'est important ici, un blockbuster, dans le langage du cinéma anglophone, c'est un film qui passe au cinéma et qui attire énormément de monde. Donc, Titanic était un blockbuster. Terminator, en son temps, était un blockbuster. Jurassic Park était un blockbuster. Oui. Le Roi Lion était un blockbuster. Donc, tous ces films qui ont attiré des millions et des millions de gens dans les salles au moment de leur sortie. Et donc, Blockbuster, c'est une chaîne de vidéostore. Donc, de magasins où on peut aller louer, où on pouvait aller louer des cassettes vidéo. Tout à fait. Ils se sont lancés en 1985. Alors, pour la petite histoire, ça ne faisait que 8 ans que les compagnies de cinéma avaient commencé à sortir des cassettes vidéo des films qui avant ne sortaient que au cinéma. Et donc, peu de temps après, Blockbuster a vu là une aubaine pour mettre à la location
des films qui, jusque-là, n'étaient que achetables. Absolument. Alors, donc ça, c'est leur business model, c'est-à-dire le business model qu'on ne va pas approfondir ici, parce que ce n'est pas le sujet de ce webinaire, oui. Mais qui est de la location plutôt que l'achat. D'accord. Quand on peut profiter de quelque chose pour un temps réduit plutôt que de le posséder pour toujours, ben, on préfère le louer. Oui, parce qu'une fois qu'on a regardé le film, on s'en fout un peu. Hein. Absolument. Et donc, Blockbuster, ben, qu'est-ce que c'était ? C'est leur, comment ils ont commencé et comment ils sont rapidement répandus. Ben, à l'époque, les magasins de location de vidéos étaient surtout des petits magasins tenus par des indépendants qui n'avaient qu'un petit choix de films et généralement pas forcément des nouveautés parce que les nouveautés, ça coûtait très cher. Le pari que Blockbuster a fait, ça a été d'avoir des magasins avec 8000 cassettes disponibles. Oui. Et d'avoir une politique très agressive d'expansion, ce qui fait qu'en quelques années, ils avaient plusieurs centaines de magasins aux États-Unis. Oui. Quelques années plus tard, ils avaient dépassé le millier et ainsi de suite jusqu'à ce dont on a parlé, atteindre presque 10 000 magasins dans le monde. Et donc, leur business model, c'était quoi ? Mais offrir aux gens qui veulent regarder chez eux un film de leur choix, sans oui. être soumis aux dictats des chaînes télévisées. Et comment est-ce que Blockbuster a fait ça ? En mettant des magasins partout où on pouvait aller chercher d'abord des cassettes, ensuite des DVD quand ils sont sortis, et trouver aussi des snacks et des boissons pour oui. accompagner le film. Comment est-ce qu'ils faisaient ça ? Ben avec donc, des magasins physiques et en offrant une durée limitée de location. Et comment ils faisaient oui. ça ? Et comment ils faisaient ça ? Ben, en mettant l'accent sur les nouveautés. Parce qu'à l'époque, il y avait un petit temps d'un petit mois entre le moment où un film sortait en cassette à la location et le moment où il allait passer à la télévision. Oui. Et donc, pendant ce moment-là, entre le oui. cinéma et la télévision, il y avait une fenêtre pendant laquelle les gens étaient prêts à se précipiter pour voir ce film à la maison. Oui. Le petit bémol du business model de Blockbuster, c'est qu'ils étaient aussi très connus pour les pénalités de retard. Alors, oui. pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'était vraiment terrible, parce que vous pouviez louer une cassette pour pas très cher, et puis, pour une raison ou une autre, vous l'oubliez. Ou vous arrivez trop tard. Ou vous arrivez trop tard, c'est fermé. Ou un ami est passé, a pris la cassette, et puis vous ne le revoyez plus pendant 2 semaines. Et puis, quand vous ramenez ce film, on vous tue avec une pénalité qui est beaucoup plus grosse que le prix de la location. Et de c'est la ça même. C'est ça même. On te tue. C'est vraiment le tuer. Et donc, ça, c'est le business model de la plupart des vidéostores à l'époque, celui que Blockbuster a appliqué. Et si je peux ajouter, en fait, ce qui était très vicieux à l'époque, parce que moi, j'étais une cinéphile, et donc oui. je me souviens, comment ils faisaient pour que tu te retrouves quand même dans une situation de pénalité de retard ? Parce qu'a priori, tu vas louer un film pour le regarder ce soir, tu le rends demain, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'arrangent pour que ce soit plus intéressant pour toi de prendre 3 films. Et tu te dis, mais oui, je vais les regarder. Et puis, tu en regardes un, tu commences le deuxième, tu t'endors, tu te dis demain. Parce que demain, tu avais des choses à faire. Donc, tu te dis, bon, ce soir. Et puis, tu te dis, bon, ah, je ne vais pas quand même ramener déjà ça maintenant. Sinon, peut-être que la prochaine fois, je ne l'aurai plus. Tout ça, tout oui, ça. Et quelqu'un va le prendre. Quelqu'un va le prendre. Oui, oui. Et donc, tu te retrouves 2-3 jours en retard parce qu'ils ont réussi à te fourguer 3 films dans la gorge. Donc, on n'a pas mis parce que c'était trop vicieux, on ne voulait pas vous donner mal aux yeux, mais quand même, ils faisaient ça aussi. Ouais, c'est clair. On passe à la suite, quoi. Allons-y. Heureusement, un sauveur est arrivé. Netflix. Netflix est surtout son premier business model, qui est celui de la digitalisation. Et donc, en 1997, comme vous le voyez en bas dans la petite ligne du temps, parce qu'on s'est vraiment donné, on a même fait une ligne du temps cette fois-ci, c'est important, regardez là. Donc, au moment où Blockbuster est au sommet, Netflix oui. arrive, qui remet en question le business model de Blockbuster, qui en soi était pas mal à la base. Ah, mais il était plutôt très vraiment innovant, etc. Il a très très bien fonctionné. Et donc, Netflix, ils visent qui ? Toujours ces mêmes gens qui veulent regarder le film de leur choix à la maison. Donc, il va sur le même marché que Blockbuster, et vous le voyez donc, c'est en noir, le haut.
pas de différenciation par rapport à qui ils visent. Par contre, qu'est-ce qu'ils proposent, eux, que vous n'ayez pas à aller au magasin, pour, au store, pour aller chercher votre DVD, ni pour aller le ramener. Donc, aucun risque de tomber sur la pluie et finalement dire « Oh non, 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 non. » C'est la poste. Ouais. Les DVD reçus et envoyés, renvoyés par la poste. Vous les recevez dans une enveloppe comme… donc, ça, c'est le « how » maintenant. Comment ils ont fait ? C'est qu'en fait, leur vidéo store, on peut dire, il était digital plutôt que physique. Oui. La durée, elle était toujours limitée. Hein. Mais par contre, les pénalités de retard étaient moindres. Donc, en général, pour aller au vidéo store, vous pourriez vous pouviez marcher longtemps ou bien conduire longtemps, surtout aux États-Unis, parce que tout se trouve dans des malls. Vous devez sortir sur le périph', etc. Donc, non, vous n'allez pas au vidéo store quand vous allez à la boîte postale. Donc, la boîte postale était plus courte, mais quand même, les pénalités de retard étaient là. Elles étaient simplement moindres que chez Blockbuster. De même que le prix de location, parce qu'évidemment, avoir une boutique en ligne et quelques entrepôts de logistique d'où expédier des DVD par la poste, ça coûte évidemment beaucoup moins cher que d'avoir des magasins éclairés, chauffés, avec du personnel dedans, ouverts jusque tard le soir, les week-ends, etc. Tout à fait. Donc, le prix de location était moindre aussi et les pénalités de retard également. Tout à fait. Donc, ce qu'on pourrait ajouter au house, si on voulait vraiment faire une liste exhaustive, ce serait avoir des entrepôts qui font de la logistique. Et quand vous faites de la logistique et que vous ne devez pas être dans un endroit hyper présentable, ben, il y a effectivement, comme Maxime le dit, beaucoup moins de frais et beaucoup moins de personnel, beaucoup moins de présentoir, beaucoup moins de lumière. Et en plus, il n'y avait pas de snack. Donc, vous n'avez pas toute cette logistique pour la nourriture, etc. Vraiment beaucoup moins cher, ce qui leur a permis, effectivement, comme tu dis, d'avoir des prix moindres. Mais ce sur quoi ils ont joué, c'est surtout les moindres pénalités de retard. Alors évidemment, il fallait attendre pour voir son DVD, mais le fait de ne pas devoir se déplacer au vidéo store, de ne pas devoir aller au mall à 20 km pour une cassette ou un DVD, c'était déjà extraordinaire pour les gens qui donc acceptaient d'attendre entre le moment où ils choisissent leur DVD en ligne et le moment où ils le regardent. Et ça, c'était vraiment très différent parce que vous avez une petite envie, là, vous le voyez dans le rayon et vous le prenez, vous savez, vous allez le regarder dans 30 minutes ou une heure si vraiment le mall est loin de chez vous. Mais par contre, chez Netflix, il fallait accepter cela, d'attendre plus d'un jour pour recevoir son DVD. Et pourtant, les gens l'ont fait en 1997, donc Netflix est apparu. Tout à fait. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Alors, petite parenthèse. Si vous voulez en savoir plus sur le business model de la digitalisation, n'hésitez pas à retourner voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le webinaire du mois passé sur Facebook, parce que Facebook a également été un pionnier de la du business model de digitalisation. Super, mais on va mettre le lien. Là, Netflix donc, a déjà innové avec des DVD envoyés par la poste, hein. Et évidemment, c'était très innovant. Il faut savoir aussi qu'ils ont fait ça très peu de temps après l'apparition des DVD, parce que expédier des cassettes, ça aurait été un petit peu plus compliqué, vu que c'est plus gros, ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. C'est ça. Et donc, là, ça a été vraiment direct. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Et surtout, comment ils ont fait cette histoire de DVD ? Ça n'aurait... Oui. Tout le monde leur disait que ça n'allait pas marcher. Hein. Donc, pour ceux qui nous écoutent, chaque fois qu'on vous dit que ça ne va pas marcher, Exactement. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils se sont dit, oui, mais ça peut être une bonne idée. Ce qu'ils ont fait, ils ont été acheter un DVD au magasin. Oui. Ils l'ont mis dans une enveloppe. Une enveloppe à bulles pour le protéger quand même un minimum. Ils se sont postés à eux-mêmes à une maison à quelques blocs de là où ils étaient. Le DVD est arrivé intact, il était regardable, etc. Ça pouvait fonctionner. Tout simplement. Okay. Il n'y a pas des 3 milliards d'équations, tableaux, puis on pendant 10 ans. Non, on essaye. C'est ça aussi le business design. Autre chose aussi, quand ils ont mis leur site en ligne, ils avaient juste un film. Ils ont fait un test avec le film Casino. Alors, pour ceux qui l'ont vu, un très, très beau film de mafia avec Robert De Niro, Al Pacino. Robert De Niro. Et donc, ils l'ont mis en ligne.
en très peu de temps, leur site a planté. Ils ont dû envoyer des gars au magasin racheter plus de serveurs, etc. En une journée, ils avaient 137 commandes. Ils avaient validé leur concept avec un film. La validation, business design, validation de concept et donc, avec le marché. Encore une fois, bon, même si ce n'est pas des petits, hein, c'est des gens qui ont quand même commencé avec des millions. Hein, ils n'ont pas fait ça avec l'argent de poche secondaire. Mais en tout cas, ils ne se sont pas dit on va acheter d'abord 10 000 films et puis commencer. Non. Ouais. Un film, validé et puis on y va. Mais comme je disais, ce n'est pas tout. Ils ont digitalisé le Video Store, mais ça ne retirait pas ce problème très douloureux qu'étaient les frais de pénalité. Alors, oui. Pour vous dire à quel point ces frais de pénalité étaient importants chez Blockbuster, alors qu'ils ne faisaient que 15% des revenus, ils comptaient pour 70% des profits. 70% des profits de Blockbuster étaient des pénalités imposées à des clients fâchés. Parce qu'évidemment, personne n'a jamais été heureux de payer une pénalité de retard. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand votre business model est basé sur la colère de vos clients, ça ne peut pas durer. Mais ils ne comprenaient pas, ils faisaient du business management et pas du business design. C'est pas grave, on continue. Et on y reviendra plus tard, mais ils avaient surtout aussi la fâcheuse habitude de ne pas s'inquiéter ni de demander ce que leurs clients pensaient, ce qu'ils ressentaient. Qu'est-ce qu'ils croyaient, eux, en fait ? Alors, en fait, Blockbuster était persuadé que le grand plaisir des gens, c'était d'aller se promener dans le magasin, toucher les boîtes, les cassettes et les DVD, acheter en même temps son gros seau de pop-corn et sa bouteille de coca et rentrer après une petite balade, se poser dans le canapé. Ouais. Ça, ils en étaient persuadés, on va dire, pratiquement jusqu'à leur mort. C'était juste une intuition, et c'était pas juste, une observation. C'était juste une intuition. Pas de mais vérification, donc, rien du tout. On continue parce qu'on a encore des choses à raconter. Là où Netflix a vraiment révolutionné le secteur, c'est son abonnement. Et là, le business model de l'abonnement, le principe, c'était que vous payez des frais fixes par mois. Alors, il y avait plusieurs formules d'abonnement. Votre formule vous donnait droit à un certain nombre de DVD que vous pouviez recevoir. Vous sélectionnez toute une liste de films ou de DVD que vous vouliez voir. Pardon. Et ensuite, il vous était envoyé aléatoirement par petits groupes en fonction de votre abonnement. Donc, vous pouvez par exemple avoir un abonnement avec deux DVD, vous receviez deux DVD à la maison. Ensuite, vous les regardiez et tant que vous ne les renvoyez pas à Netflix, on ne vous en renvoyait pas de nouveau. Mais dès que vous aviez fini de les regarder, vous les postiez dans la petite enveloppe prévue à cet effet. Oui. Et une fois que Netflix les avait récupérés, ils vous en envoyaient des nouveaux. Et donc, le nombre de DVD que vous pouviez regarder par mois dépendait principalement de vous et de la vitesse à laquelle vous les receviez. Et tout à fait. C'était une vraie révolution. Et ça, c'était une révolution parce que pas de pénalité de retard, frais fixes et autant de DVD que vous pouvez en regarder en tout cas. Et c'est surtout que si vous êtes lent à rendre votre film, c'est vous qui subissez les conséquences. Mais pas avec de l'argent. Et donc, il y avait plusieurs formules, comme tu l'as sans doute expliqué, où vous pouviez prendre trois DVD à la fois, ou un seul DVD à la fois, et c'est quand vous rendiez les trois DVD que vous aviez les trois suivants. Ou un DVD, si vous preniez la formule de un DVD, que vous aviez les trois suivants. Donc, les gens avaient vraiment l'impression que tout était à leur rythme, pas autre chose. Exactement. Alors, ici, on va préciser un petit quelque chose. Hein. Ce business model de l'abonnement, comme la plupart des business, des business models existants, ont déjà été appliqués par le passé dans d'autres industries. Et ça, c'est vraiment un élément à bien garder en tête, c'est que la plupart des innovations de business model se font simplement en appliquant à son industrie ou à son secteur des business models qui ont été inventés et déjà appliqués ailleurs. Dans d'autres secteurs. Alors, le premier secteur où on a eu des abonnements, c'est en fait le secteur des imprimeurs. C'était les imprimeurs allemands au XVIIe siècle qui
se sont rendus compte que publier des encyclopédies énormes, ça coûtait très cher et que s'ils voulaient être sûrs de les vendre, le mieux c'était d'offrir un abonnement où chaque année, vous allez recevoir votre nouveau volume d'encyclopédie. Ça a été repris ensuite par les imprimeurs de journaux, et ça, c'est les abonnements, on va dire, les plus anciens du monde moderne, les journaux qui arrivaient tous les matins à la maison. Là où ça a été appliqué pour une première fois de manière assez révolutionnaire, c'est Salesforce. Alors, Salesforce, vous connaissez sans doute, c'est une entreprise qui fait des logiciels informatiques et qui, les premiers, n'ont plus offert le fait d'acheter un CD avec un programme dessus qui coûte super cher et puis qu'il faut après acheter les mises à jour chaque fois qu'elles sortent. Oui. Mais ils ont mis à disposition les programmes en ligne. Vous les achetez, vous prenez un abonnement et vous avez droit à toutes les mises à jour à chaque fois qu'elles sortent tant que vous gardez l'abonnement. Et aussi, vous avez la possibilité d'acheter ce module ou un autre module et plus d'acheter un énorme truc dont vous n'utilisez que 10%. Alors là, évidemment, vous me direz, oui, mais les abonnements dans le digital, c'est facile. Mais en fait, il y a eu un autre exemple, c'est une compagnie en Suisse, Black Sox, où là, vous prenez un abonnement pour recevoir des paires de chaussettes. Donc, c'est physique. Et donc, c'est physique. Et effectivement, les paires de chaussettes, tout le monde sait qu'il y a toujours une des deux chaussettes qui est amenée à disparaître. Il y a toujours un orteil qui va passer, faire un trou. Et donc, les chaussettes, c'est des vêtements qui tournent. C'est un fait. On a besoin de chaussettes régulièrement si on ne veut pas avoir des chaussettes trouées ou dépareillées. Et donc, Black Sox, vous prenez un abonnement et il vous envoie de 3 à 6 paires de chaussettes à la maison selon une certaine fréquence en fonction de votre abonnement. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment moyen d'appliquer un business model à plein de secteurs si, en fait, l'utilisation de vos clients est indiquée ici. D'accord. Dans le cas de ce business model. Alors, regardez bien la ligne du temps en dessous et vous voyez que de 97 à 98, Netflix a évolué. Mais de 97 à 98, Blockbuster a évolué encore plus que Netflix. En 2000, Netflix propose à Blockbuster de prendre des parts dans leur société. Alors pourquoi Netflix fait une chose pareille alors que, comme vous voyez, la courbe de Netflix, elle est vraiment très importante par rapport à ses débuts en 2000. Oui. Eh bien, en fait, l'objectif de Netflix, c'était de pouvoir faire la promotion du service Netflix dans les vidéostores de Blockbuster. Okay. Blockbuster était dans le physique. Oui. Mais il y a bien des gens qui n'ont pas envie d'être dans le physique. Oui. Et donc, ces gens, ils iraient chez Blockbuster et ils se rendraient compte qu'il y a aussi la possibilité chez Blockbuster, qui aurait des parts dans Netflix, la possibilité d'avoir en fait la même chose que Blockbuster, mais en ligne. Et donc, Blockbuster gagnerait à tous les coups et Netflix serait content parce qu'il opérerait le service et qu'il est devenu maître dans l'opération de ce type de service digitalisé. Tout à fait. À ton avis, à votre avis, quelle a été la réponse de Blockbuster? J'imagine, ils ont dit non. C'est même pire que ça. Ils ont dit non. Non seulement ils ont des noms, on aurait dû le mettre, mais ils ont dit non et ils se sont moqués de Netflix. Ils se sont moqués de Netflix pendant l'entretien. En disant que ça ne fonctionnerait jamais. 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 Et c'était des professionnels du secteur, donc. Les leaders quasiment mondiaux. Hein. On parle des leaders mondiaux de la location de vidéos. Ils se sont moqués de Netflix et ils ont dit non. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que un an plus tard, Netflix atteint 1 million d'utilisateurs. Deux ans plus tard, malgré que Netflix ait atteint 1 million d'utilisateurs pour un service qui, soi-disant, n'avait pas d'avenir, Blockbuster, 2 ans plus tard, continue à ne pas identifier Netflix comme un concurrent. Comme un concurrent. Mais à se dire que mes vrais concurrents, c'est Walmart, Target et Best Buy, qui sont en fait des grands supermarchés. Physique, toujours le physique. Physique. Donc vraiment, Blockbuster était tellement aveuglé par son succès
qu'il s'est dit, ben, en fait, Netflix, c'est des petits joueurs. Et c'était wow. effectivement à l'époque des petits joueurs. C'était encore des mais petits joueurs. Ce que Netflix avait déjà compris, puisqu'on est en 2000 et ils ont fait déjà deux innovations de business model, là où Blockbuster n'en a fait aucune, c'est que c'est le business design qui va vraiment leur faire casser la baraque. Okay. Et c'est bien simple, en 2006, Netflix atteint 6,3 millions d'utilisateurs. Et enfin devient, après 9 ans d'existence, hein, donc ce n'est pas un rêve là, vous claquez des doigts, mais devient enfin profitable. OK. Et donc, ça, c'est vraiment important à préciser. Parce que la profitabilité, c'est l'objectif. Tout à fait. Et c'est au moment où ils deviennent enfin profitables, que tous les chiffres sont au vert, qu'ils innovent à nouveau. Ils ajoutent encore. Ils ajoutent encore. Troisième. Exactement. Ils ajoutent encore parce que jusque-là, on était toujours dans le physique avec des DVD qui arrivent à la maison et qu'on met avec ses petites mains dans un lecteur. En 2007, Netflix sort la plateforme que nous connaissons maintenant avec les films en streaming. Alors ici, il est important de, il faut faire attention, ça ne s'adressait plus exactement à la même cible. Parce que ceux que Netflix a séduits au début, ce ne sont plus ceux qui voulaient regarder des DVD à la maison, mais ceux qui étaient déjà dans le streaming, mais à l'époque, c'était du streaming illégal, vu qu'il n'y avait pas encore de plateforme pour le faire de manière légale, ou qui regardaient des vidéos à la demande. Alors ça, c'est peut-être les vidéos. Donc, les vidéos à la demande, ce sont des systèmes qui permettent de choisir, ça, soit sur sa télé, soit sur Internet, de regarder un film et de payer juste pour ce film. Ouais. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais à la fin des années 90, aux États-Unis, est arrivée la télévision par câble. Et avec la télévision par câble, sont arrivés les films à la demande. Et donc, déjà à la fin des années 90, les gens ont pu commencer à regarder chez eux, directement sur la télé, des films qu'avant, ils allaient chez Blockbuster. Moi, j'ai envie de vous dire, regardez bien la courbe en dessous, hein, pendant que Maxime vous explique ce qui se passe. Ah oui. Internet. Et donc, le business model de Netflix maintenant, ben, c'est pour les amateurs de streaming et de vidéo on demand, qui regardent quoi ? Ben, des films et des séries qui sont en streaming, sur un site internet en illimité, avec un forfait unique pour un accès illimité en permanence. Waouh ! Ça ne m'étonne pas qu'ils aient tué Blockbuster à ce moment-là en termes d'inversion de la courbe. Ah ouais, inversion des courbes. Et alors, là, c'est aussi intéressant de voir où est-ce que ça a commencé, ce principe de forfait. Eh bien, en fait, les premiers business connus hein, dans l'histoire du forfait, ce sont les restaurants. Les restaurants où vous avez un buffet à volonté. Ensuite, le deuxième secteur qui a suivi, ça a été le tourisme, avec des hôtels all-inclusive ou des centres de vacances all-inclusive où vous partez en vacances. Vous avez payé votre séjour et tout est compris. La nourriture, les boissons, l'animation, les fêtes, tout. Vous ne sortez plus un franc. Vous allez au bar, vous dites « je veux ça, on vous donne ça ». Vous allez au buffet, vous mangez tout ce que vous voulez. Et puis, vous retournez au bar et ainsi de suite. Et donc, là, on a à nouveau un business model qui était appliqué dans un certain secteur et que Netflix a pu transposer au monde de la vidéo à la demande. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que les quatre dimensions du business model sont en rouge. Donc, Netflix a modifié les quatre, quoi. Il n'y a plus rien qui est pareil. Ah ouais. Donc, ici, il en avait modifié deux. Avant, il en avait modifié 2 sur 4. Et puis là, il s'est dit, non, on met le tout pour le tout. Il en a modifié, alors qu'il était en ascension, il en a modifié 4. Et vous voyez ici, quelle a été la conséquence de cette modification ? Le hockey stick en français, je ne sais pas comment on dit. Le bâton de hockey. Le bâton de hockey. Ou la crosse de hockey. Oui, la crosse de hockey. Donc vraiment, c'est une ascension fulgurante qui n'est pas due juste à la technologie. Parce que la technologie, encore une fois, elle existait déjà. La vidéo à la demande, elle existait déjà. Le streaming, il existait déjà. Donc, technologiquement, il n'y avait pas grand-chose de neuf. Ouais, c'est l'usage. C'est l'usage, quoi. Et donc, il faut vraiment être très, très, très attentif
à la différence entre la technique pour la technique et ce que vous en faites. Je te dis. Ok. Non, ça c'est le vrai, non. Mais le pire, c'est que ce n'est pas tout. On croit que Netflix avait tellement innové qu'il ne pouvait pas encore plus innover. Et en réalité, que se passe-t-il après ? Netflix fait encore une innovation de business model, celle qu'on appelle du long tail, donc la longue queue. La longue traîne. La longue traîne. Ok. La longue traîne. Et c'est quoi cette innovation ? Et on voit d'ailleurs que Netflix a quitté notre ligne du temps, hein, tellement ils ont explosé leur score. Vous les voyez, ils ont explosé leur score. Et Blockbuster, dans le même temps, est sorti aussi, mais dans l'autre sens. Il est sorti. Et donc, la long tail, c'est quoi ? C'est l'innovation, donc. Les gens qui aiment les films et séries, à la demande, depuis chez eux, sans devoir attendre ni quoi que ce soit, mais plus du tout en mode ce qui plaît au plus grand nombre. Ouais. C'est vraiment plusieurs niches qui aiment des choses complètement différentes les uns des autres. Par exemple, toi, tu peux peut-être aimer les films d'auteur, d'autres peuvent aimer les films coréens, des troisièmes peuvent aimer... Enfin, voilà. Et la majorité des gens aiment les films américains où il y a des gens qui tirent sur tout le monde, mais il y a des petites poches de gens qui aiment complètement autre chose. Et ce que Netflix a fait de révolutionnaire, c'est d'élargir non seulement son assortiment, mais surtout de le rendre extrêmement varié pour chacune de ses niches. Et évidemment, grâce à la technologie, donc on est dans le how, il a ajouté un algorithme qui permettait aux gens de donner à Netflix l'information sur ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, et donc de recevoir des recommandations sur ce qu'ils avaient démontré qu'ils aimaient. Et donc, tu te retrouves devant Netflix, en principe, si tu as regardé un film qui sortait du lot, ben, il va te proposer des films qui sortent tout autant du lot de la même manière. Et donc, ça, encore une fois, une innovation, parce que c'est devenu un catalogue sur mesure. Le forfait est toujours unique, l'accès est toujours illimité, mais le sur mesure fait son apparition en 2010. Et Maxime, je suis sûr que tu as plein de choses à ajouter à ça. Bien, là aussi, Netflix a rejoint avec ce business model les pionniers en la matière, à savoir Amazon et eBay. Mmh. Amazon, c'est aussi un business model de long tail, c'est-à-dire qu'ils ont de tout. Que vous aimiez une chose ou l'autre, vous le trouverez sur Amazon. Et à la base, quand Amazon ne faisait que des livres, en fait, 40% des livres qu'Amazon vendait étaient introuvables chez des libraires. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont gagné. Et donc, mais ceux qui cherchaient des ouvrages rares, mais ils allaient chez Amazon. Et Amazon avait un catalogue bien plus grand que tout ce que n'importe quel libraire physique pouvait avoir. Et comme ça, ben, captait toutes ces niches, ces petites poches, de gens qui n'étaient pas assez servis. Voilà, avec des et qui auraient eu bien du mal à trouver une librairie qui leur correspondait vraiment. Et donc, ben, ça c'est le principe, le business model de la long tail, où vous adressez une niche. Alors, il y a deux manières de faire le long tail. Vous pouvez adresser une seule niche. Oui. Genre, si vous faites des programmes informatiques pour des entreprises minières, mais ça, c'est aussi de la long tail, parce que vous allez proposer quelque chose de très spécifique à un secteur très spécifique. Mais quand vous le faites en ligne avec des gros moyens, hein, n'ayons pas peur des mots, alors vous pouvez avoir un catalogue tellement large qu'il attire énormément de niches. Et donc, ben, dans ce cas-là, Netflix peut vendre des abonnements pas très chers pour que ses clients aient accès à un catalogue très varié dont ils ne vont regarder qu'une petite partie. Je te dis. Parce que, évidemment, personne n'aime, enfin, ou en tout cas très rares, sont ceux qui aiment en même temps les films d'action et les drames psychologiques coréens et, et les films indiens, etc., etc. Je veux dire, il y a vraiment de tout sur Netflix et à moins d'être vraiment très, très ouvert, on ne peut pas tout apprécier. Et donc, ça, ben, c'est ce qui a amené Netflix au vrai décollage, on va dire. Hein, et pour ceux qui veulent en voir un petit peu plus,
taper revenu, évolution des revenus Netflix et vous verrez ouais. À quel point ça monte, parce que là, en 2010, on n'est pas encore arrivé. Entre-temps, ben, Blockbuster est passé de numéro 1 mondial, 3 milliards de capitalisation boursière, 90 000 employés à travers le monde, etc., ouais. à faillite. En 2010, ils ont fait ce qu'il fallait pour être déclaré en faillite. Et puis, ça a été une lente agonie où les magasins progressivement ont fermé. En 2019, il restait un magasin Blockbuster indépendant. Je ne sais pas s'il vit encore maintenant, mais ouais. clairement, voilà. Grandeur et décadence. Un géant dont on pouvait penser qu'il n'allait jamais mourir, mais en fait, est bien mort. Et pendant ce temps, Netflix, qu'est-ce que c'est maintenant? Netflix, c'est 220 millions d'utilisateurs. C'est 240 milliards de capitalisation boursière. Et c'est surtout du point de vue du profit, c'est combien? Et c'est 4,5 milliards de profits opérationnels en 2020. Alors, pour vous donner une idée à quelle vitesse ça va, l'année d'avant, ils étaient à 2,6. Et l'année encore avant, ils étaient à 1,5. Donc, fois deux, chaque année. Triplé. Ils ont triplé leur profit en 2 ans. Bon, le Covid a aidé. Et donc, maintenant, mettez ça en parallèle. Blockbuster, au sommet de sa gloire, c'était 3 milliards de capitalisation boursière. 3. Netflix, capitalisation. Donc, même pas chiffre d'affaires. Et encore c'est pas dans la vraie vie. Là, c'est 4 milliards de profit. Exactement. Exactement. Ouais. Et donc, voilà. Alors maintenant, quelques enseignements à tirer de tout ça. Hein. 3 enseignements précisément. Oui. Tout d'abord, c'est quand tout va bien qu'il faut préparer l'avenir. Ouais. Netflix, en 2006, quand ils deviennent profitables pour la première fois, mais c'est à ce moment-là qu'ils étaient en train de préparer leur nouvelle évolution en 2007. Oui. Regardez ce qui se fait dans d'autres industries. Netflix, en appliquant son principe du frais fixe pour recevoir les DVD à la maison et supprimer comme ça les pénalités de retard, a réglé un problème vraiment très, très, très criant en appliquant simplement quelque chose qui existait ailleurs. Et surtout en faisant preuve d'empathie. Parce que ça, c'est le troisième enseignement. Écoutez vos clients. Si vos clients viennent en tirant la tête parce que, en fait, vous leur faites payer des choses pour lesquelles ils ne comprennent pas la valeur que ça leur apporte, hein, et qu'en fait, vous profitez de leur faiblesse pour aller vraiment les taper quand ils sont par terre, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que Blockbuster est mort. Blockbuster est mort pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas écouté leurs clients. Jamais. Ils n'ont pas vu les tendances. Ils n'ont pas vu la TV câblée arriver. Ils n'ont pas compris qu'Internet, ça n'allait pas juste être un truc d'un an ou deux et puis disparaître. Ouais. Ils sont restés concentrés sur leurs opérations journalières. Ils sont restés concentrés sur ce qui leur apportait de l'argent. Ils ont maintenant fait du management. Et ils ont fait exactement du business management. Okay. C'est pour ça que ça fonctionne. Pourquoi arrêter? Pourquoi est-ce qu'on va supprimer des pénalités de retard qui comptent pour 70% de notre profit? Ah ben pourquoi? En fait, pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Parce que ce qui rapporte aujourd'hui n'est pas ce qui rapportera demain. Et donc, si quand votre entreprise tourne bien, vous ne pensez pas à l'avenir, ça ne va pas aller. Et le pire, c'est que Blockbuster a essayé. Ils ont essayé la vidéo sur Internet. Ils ont investi dans une entreprise pour faire du streaming. Mais ils ont fait ça un peu en dilettante. Ils n'ont pas réellement investi dedans ce qu'il fallait. Parce qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Il y avait quelques années avant, à Netflix, ça ne marcherait jamais. Ils n'ont pas su trouver ce qu'il fallait comme arrangement pour les droits de diffusion, etc. Et donc, ils ont investi là-dedans, mais c'est retombé comme un soufflet raté. Aussi parce qu'ils n'avaient aucune méthodologie. Parce que ce n'est pas une question de croyance. Le business design, c'est une approche scientifique.
Et donc, lorsque vous êtes dans une logique de validation de vos hypothèses avec le marché, eh bien, ce n'est plus une question de croire ou ne pas croire. Vous pensez que quelque chose est possible, vous validez le plus rapidement possible. Si vous avez de la validation, vous revenez et vous construisez plus. Ouais. Blockbuster n'avait pas les méthodologies que Netflix a appliquées et qu'on propose à nos clients. Et donc, la conséquence a été assez salée pour Blockbuster. Tout à fait, parce que à côté de ça, qu'est-ce qu'on voit? Ben Netflix. Netflix a innové plusieurs fois ses business models. Il a été voir dans d'autres industries pour voir qu'est-ce qu'il pourrait bien appliquer pour régler les problèmes de ses clients et des clients du secteur de la location vidéo. Il a écouté ses clients. Il a écouté ses clients qui n'en pouvaient plus de ses pénalités de retard. Oui, parce qu'au début, il proposait aussi des pénalités de retard. Oui. La première année, il y avait aussi des pénalités de retard parce qu'ils étaient dans le business model simplement digitalisé où vous commandez en ligne, vous recevez à la maison. Mais pour le reste, c'était comme un vidéo store classique. Et surtout, Netflix a observé les tendances, a précédé les tendances quand il pouvait, parce que la plateforme, là, c'est en 1997. Donc là aussi, pour ceux qui étaient déjà en âge d'utiliser un ordinateur en 1997, l'Internet, c'était vraiment pas terrible à l'époque. Hein Mais... Non, et d'ailleurs, c'était simplement une liste de films pas très, très belle. Ah, c'était pas beau du tout. C'était une liste de films, vous scrolliez, vous cherchiez ce qui vous intéressait. Et surtout, il a créé les tendances. Il a inventé le DVD à domicile et c'est eux qui ont inventé le streaming pour un prix fixe pour tout le monde. Et donc, voilà comment Netflix a non seulement tué Blockbuster, mais est allé dans une ascension fulgurante qu'on lui souhaite de poursuivre. Hein. Ce n'est pas gagné. Oui. Il y en a d'autres maintenant. Disney+, Amazon Prime, etc. Donc, la guerre sera rude parce que Amazon sait comment faire les choses et Netflix sait comment faire les choses. Donc, on verra un petit peu comment ils vont se débrouiller pour gagner. Oui, parce que même pour eux, même avec tout ce qu'ils ont fait, rien n'est gagné. Rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Dans 5 ans, on pourra peut-être faire un autre webinaire où on vous expliquera comment Netflix est mort. Waouh! Mais ils le savent. Donc, ils pratiquent régulièrement le business design. Ils vont dans l'exploration pendant qu'ils sont dans les opérations. Et ça, c'est vraiment à garder en tête. Quel que soit le succès de votre startup, ne vous contentez jamais des opérations. Gardez un certain pourcentage de temps et de ressources pour l'exploration. Ça, c'est la punchline de la... C'est la punchline de la fin, là. Exploration en même temps que opération. Exactement. Non, mais ça, c'est waouh. Ça, ça, c'est du Pinchasa. Vous avez vu, moi, j'ai ma dose de Pinchasa. Et je vous avais dit, 2 mois comme ça, c'est compliqué. Ah non, c'est super. Franchement, moi, j'adore ce format-là, vraiment. Ouh là 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 là. Bon, je pense que là, les amis, vous avez vu, hein, nous, c'est des experts. Vraiment, là, c'est Pinchasa, expert en business design. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez être accompagné, si vous voulez un volet exploration pendant que vous êtes en train de faire de l'opérationnel, nous, chez Jimmy Coder, nous vous recommandons nos amis de Pinchasa. Vraiment, c'est extraordinaire. Oui, Sissoko. Ah, voilà. Merci, Boubacar. Merci, Boubacar. Boubacar est là. Vraiment, merci. En tout cas, c'était super. Moi, je suis super content. On arrive à la fin. Quel serait votre mot de la fin? Moi, j'ai envie, en mot de la fin, de répondre à nous, Camara, qui nous dit « Très cool et très important, mais malheureusement, je ne gagne pas des financements. » En réalité, il faut comprendre une chose, c'est que pour que des investisseurs veuillent investir dans une start-up, il faut qu'ils comprennent quel est le chemin du profit. Donc, si nous, Camara, a bien suivi, elle ou il doit travailler sur le « why ». Pour quelle raison des personnes paieraient plus pour son service que pour un autre? Et si des investisseurs voient ça et comprennent vraiment qu'il y a une cohérence entre les 4 dimensions du business model, en général,
ils sont très intéressés. Mmh. Je donne un petit truc gratuit. les amis, moi, je trouve que c'est vraiment fort. En tout cas, le who, le what, le how, le why. Vraiment. Et donc, le who, c'est effectivement empathie centrée sur l'utilisateur. Il y a le what, finalement, quelle est mon offre. Le how, comment j'exécute cette offre-là. Et effectivement, le why. Alors, le why, qu'est-ce qu'on pourrait dire du why? Le why, c'est… C'est la raison pour laquelle une personne trouverait ça plus intéressant que ce qui existe. Super. Et donc, la conséquence, c'est le mécanisme de profit, en fait. Ok. En tout cas, voilà, c'est excellent. Alors, je te passe le micro. Pinch à ça du lourd. Non, vraiment. Non, Kudama, tu connais. Avec plaisir. Kudama, toi, tu m'as enlevé le mot de la bouche seulement. Pinch à ça du lourd. Maxime, je te laisse le micro pour le mot de la fin. Alors, ben, je vais clôturer ce webinaire en vous donnant deux, trois petits conseils. Cadeau. Si vous vous dites, est-ce que je pourrais appliquer un de ces business models à mon entreprise? Alors, tout d'abord, l'abonnement. Si les questions à vous poser pour faire un business d'abonnement, c'est est-ce que votre produit ou votre service, est-ce que vos clients en ont besoin de manière régulière? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel ils doivent revenir? Et si vous avez une réponse positive à cela, ce que vous voulez vous demander, c'est quel avantage ça va donner à vos clients? Quelle valeur ça va leur donner d'avoir un abonnement plutôt que de venir à chaque fois acheter ce dont ils ont besoin? Ça pourrait être, entre autres, la réduction du temps nécessaire à l'achat, s'ils ne doivent plus venir chez vous ou qu'ils ne doivent plus vous téléphoner et que ça vient seulement parce que de toute façon, ils en ont besoin. S'ils en ont besoin tout le temps, une disponibilité continue, donc toujours avoir à disposition ce dont ils ont besoin. Donc là, par exemple, les programmes informatiques, si vous en avez besoin tout le temps, vous gardez votre abonnement parce que c'est évidemment pratique. Ou est-ce que le fait d'avoir un abonnement réduit les risques? Est-ce que peut-être ce sont des choses qui vont tomber en rupture de stock et que si on ne prend pas l'abonnement, en fait, un jour, on va au magasin, il n'y en a pas. L'autre business model, c'est celui du forfait, du tarif unique. Et là, ça demande de maîtriser vos coûts. Alors, on va prendre l'exemple simple avec un restaurant. Si vous faites votre prix, mais qu'en fait, votre prix est mal calculé et que la plupart de vos clients mangent pour plus que vous leur demandez de payer, ça ne va pas aller. On vous connaît. Parce que quand il y a un tarif unique pour quelque chose, vous avez toujours des consommateurs qui vont consommer beaucoup et d'autres qui vont consommer beaucoup moins que la moyenne. Et donc, vous devez maîtriser vos coûts. Par exemple, si Netflix n'avait que des gros utilisateurs, parce qu'il y en a qui passent vraiment beaucoup de temps à regarder, mais en fait, ces serveurs ne tiendraient pas le coup. Et ils devraient payer beaucoup plus pour avoir des serveurs, et donc ils devraient en fait augmenter son prix, le prix qu'ils demandent par mois. Tout à fait. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi que plus vos clients consomment de ce que vous vendez, et moins ils en ont envie. Là, encore une fois, le buffet. Plus vous mangez, moins vous avez faim. Plus vous voyez même des choses à manger. Et donc, à un moment, vous arrêtez. Et donc, il faut que vous ayez vraiment la maîtrise de vos chiffres et de l'utilisation que vos clients font de vos produits ou services pour que votre prix soit bien dans la moyenne de la consommation. D'accord. Enfin, il faut aussi vous demander, est-ce que si je le facture de manière forfaitaire, est-ce que ça va être plus rentable pour moi ou que de le facturer pour chaque dépense? Parce que évidemment, quand vous demandez le même prix à tout le monde, vous passez beaucoup moins de temps à faire des devis et beaucoup moins de temps à faire des factures. C'est la même chose pour tout le monde. C'est facile. C'est vraiment très facile. C'est payer ou pas payer. Le montant est le même. Et donc voilà, ça c'est les quelques petites questions à vous poser pour ces deux business models qui peuvent être appliqués vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de business. Et les amis, ça c'est cadeau.
Ah, vraiment, il en avait envie. Hein. La valeur que toi, en même temps, c'est la valeur, tu connais la valeur. Tu as goûté là pendant plus d'une heure, là. Tu sais qu'il y a la valeur dans ça. Waouh. Non, je suis super content. Vraiment, on va vous dire bye bye, bonne continuation et on a hâte de venir le mois prochain pour un nouveau numéro, un nouveau cas d'étude. Désormais, hein, ce sont les cas d'étude Pinshasa, c'est désormais ça, les cas d'étude Pinshasa. Je vous rappelle que les experts de Pinshasa ont un métier qui s'appelle business designer. Ils interviennent d'une part au tout début pour un entrepreneur qui a une idée qu'il veut développer. Et ils interviennent aussi tout au long parce qu'ils sont le côté… donc, tu as dit quoi? C'est l'exploration. Voilà, ils vous aident à explorer tout au long de la vie de votre produit, de votre service. Pour augmenter la profitabilité. Voilà, ils vous aident, pendant que vous, vous êtes concentré sur l'opération, ils vous aident à explorer et donc à préparer éventuellement dans un contexte agile, dans un monde en changement, dans un monde en mutation. Ils vous aident en fait à mettre en place éventuellement des business models qui fonctionnent chez d'autres et qui pourraient être appliqués à votre secteur ou alors à vous avertir éventuellement d'une concurrence qui est en train d'arriver et qui pourrait vous faire défaut. Merci à vous une fois de plus. Avec plaisir. Merci Pinshasa, les amis de Pinshasa. Vous êtes toujours bienvenus. Je vous rappelle les amis, allez voir leur site, hein, pinshasa.com, expert en business design. Bye bye, merci la régie, bye, ciao.